Bonjour, bonjour, c'est une nouvelle découverte dans laquelle je vous emmène aujourd'hui. Celle des relations très difficiles, et c'est peu dire, entre la France et l'Algérie. Mais bien avant la colonisation. Bien avant. Et si j'ai mis mon magnifique casque bouilloire et ma cotte de maille, c'est parce que cette relation, c'était pas des bisous, mais plutôt des coups de poing. Des deux côtés d'ailleurs. Et même si pour cette vidéo, on sort des arcanes médiévales, tout part de cette époque. On remonte le temps jusqu'au XVIe siècle. Et vous allez voir, cette histoire d'amour et de haine est faite de commerce, de piraterie, de coups diplomatiques et d'un coup d'éventail. Quoi ? Attends, j'y viens. D'abord, posons le contexte. On est au tout début du XVIe siècle. La régence d'Alger vient de voir le jour. Elle est fondée par deux figures légendaires de la piraterie méditerranéenne, les frères Barberousse, Haroudj et Kayr ad-Din, des corsaires au service de l'Empire ottoman. Des Turcs, si vous préférez. Alger devient rapidement une puissance corsaire, un bastion de résistance contre les Européens, notamment les Espagnols, car tortillas et chorizo, c'est pas leur truc. En 1518, Kayr ad-Din Barberousse prête allégeance au sultan ottoman, Selim Ier, et Alger devient une province de l'Empire. Mais attention, la régence reste largement autonome. Elle mène ses propres politiques commerciales et étrangères, tout en versant un petit quelque chose au sultan. Cette autonomie lui permet d'être un acteur de premier plan dans la Méditerranée, et bientôt un cauchemar pour les puissances chrétiennes. C'est dans ce contexte que la France entre en scène. Dès le XVIe siècle, elle se lance dans le commerce avec Alger. Mais attention, ce n'est pas n'importe quel commerce. Les Français installent des comptoirs sur les côtes algériennes, des espaces de commerce si vous préférez, notamment le Bastion de France, fondé en 1552 par Thomas Lynchou. Lynchou en Corse, j'espère que je prononce bien. Lynchou, Thomas Lynchou, donc un Corse établi à Marseille. Et là, ce n'est pas juste une histoire de quelques échanges. Le Bastion de France est situé dans une zone stratégique, près de la cale, dans le Constantinois, situé au nord-est de l'Algérie. Pourquoi la cale ? Parce qu'on y trouve du corail, une richesse naturelle convoitée par les Français. Ce corail, utilisé en Europe pour fabriquer des bijoux et des ornements, vaut une petite fortune. La compagnie du corail regroupe alors de 200 à 300 pêcheurs qui seraient tous originaires du Cap Corse. Cette compagnie monopolise le commerce français avec la Barbarie et se livre aussi au commerce des épices avec l'Orient. Mais sache que non loin de là, sur la mer Méditerranée, les pirates algérois rôdent et font des misères à la flotte française. On va y revenir. Très vite, ce simple comptoir commercial devient bien plus qu'un lieu d'échange pacifique. On commence par y construire une forteresse, une chapelle et une tour. Le bastion se transforme en véritable base fortifiée sous la direction de Samson Napoléon, chevalier de l'ordre de Saint-Michel, envoyé en 1628 pour reprendre le contrôle du site qui avait été perdu précédemment. Donc, après négociation, sur-renégociation et traité de paix, le bastion revient à la France et devient une véritable place forte, un avant-poste de l'influence française en Afrique du Nord. Et c'est aussi un centre d'espionnage. Oui, la France utilise ce comptoir pour surveiller les activités de la régence d'Alger et recueillir des informations précieuses. Et ce n'est pas du tout du goût de la régence, tu t'en doutes bien. Mais en réalité, ce comptoir est bien plus qu'une affaire commerciale. Il permet à la France de se préparer en secret à de futures opérations militaires en Afrique du Nord. Et les Algériens, comment réagissent-ils ? Pas vraiment bien. La régence d'Alger accuse régulièrement la France de violation d'accords. Elle reproche notamment aux Français d'exporter illégalement des grains, du blé entre autres, ce qui enfreint les traités commerciaux. Ces tensions conduisent à plusieurs conflits. Le 13 décembre 1637, le pacha d'Alger, le Raïs Ali Bichnin, décide même de détruire le bastion de France pour mettre fin à ses provocations. Une partie de la garnison est tuée, 367 chrétiens sont conduits direct au bagne. Mais trois ans plus tard, en 1640, de nouveaux traités sont négociés, ce qui permet de rétablir le bastion de France, même si le cardinal de Richelieu n'approuvera pas les termes du traité. Peu importe. Ça vous montre bien que les relations commerciales sont sous haute tension et que ce comptoir est bien plus qu'un simple entrepôt à ciel ouvert. C'est là que tout devient encore plus tendu. Parce qu'en plus du commerce et des tensions autour des accords, les corsaires algérois intensifient leurs actions. Ces pirates, soutenus en secret par la régence d'Alger, mènent des raids dévastateurs contre les navires français. Entre 1681 et 1688, les corsaires capturent pas moins de 80 navires français. Imaginez, la France perd des dizaines de navires remplis de marchandises précieuses comme la soie ou encore le blé qui lui était destiné. Il faut dire qu'à l'époque, le blé,
c'est de l'or. Mais ce n'est pas tout. Ces corsaires capturent aussi des centaines de marins et de civils qui sont ensuite réduits en esclavage ou détenus en attente de rançon. La piraterie algéroise est un véritable fléau pour le commerce français. Les autorités françaises sont régulièrement obligées de payer des rançons exorbitantes pour libérer leurs captifs. Un truc de ouf. Par exemple, des dizaines de milliers de livres tournois sont dépensés pour sauver les prisonniers français. Mais le pire, c'est que ces corsaires algérois ne se contentent pas de voler des marchandises. Ils maintiennent une pression constante sur la marine marchande française, ce qui rend les échanges en Méditerranée de plus en plus risqués. Et la France, face à tout ça, que fait-elle? Eh bien, elle réagit sur deux fronts, la diplomatie et la force militaire. D'abord, des traités de paix sont régulièrement négociés, renégociés avec la régence d'Alger pour tenter de freiner les attaques corsaires. Par exemple, en 1689, un traité de paix est signé entre le pacha d'Alger et le représentant français Guillaume Marcel. Ce traité a pour but de protéger les navires français et de garantir la paix en Méditerranée. Mais ces accords sont super fragiles. Très souvent, ils sont rompus dès que les corsaires algérois reprennent leurs activités. Ni une, ni deux. Alors, quand la diplomatie échoue, la France passe à la manière forte. En 1682 et 1683, l'amiral Abraham Duquesne bombarde Alger. Oui, des bombardements massifs pour tenter de faire plier la régence et mettre fin à la piraterie. Ces attaques font des ravages, mais elles ne suffisent pas à éradiquer le problème. Après les bombardements et de nouveaux accords, une fois de plus, la piraterie reprend tout de même. C'est un cycle sans fin. Malgré les efforts militaires, la France se retrouve face à un adversaire tenace pour qui la piraterie est une source de richesse et de pouvoir. Mais ce qui est fascinant, c'est que malgré toutes ces tensions et ces conflits, eh bien, le commerce franco-algérien continue. Pourquoi ? Parce que les deux parties ont besoin l'une de l'autre. La France a besoin des produits algériens, notamment du corail, des cuirs et surtout du blé pour approvisionner la métropole et le port de Marseille. Et la régence d'Alger, de son côté, tire profit de ces échanges commerciaux, tout en gardant un œil sur les ambitions françaises. C'est une relation ambivalente où commerce et conflit coexistent en permanence. Cependant, au début du 19e siècle, tout bascule. Les tensions diplomatiques déjà bien chauffées à blanc atteignent leur paroxysme avec l'affaire du coup d'éventail en 1827. Lors d'une rencontre entre le DEI d'Alger et le consul français, une altercation éclate et le DEI frappe le consul avec un éventail. Ce geste en apparence anecdotique devient le prétexte parfait pour la France qui cherche, faut bien le dire, depuis longtemps, un moyen de justifier une intervention militaire. Après 3 ans de blocus en 1830, la France envahit l'Algérie, mettant fin à des siècles de relations fluctuantes entre les deux pays. C'est le début de la colonisation. Mais revenons, si tu le veux bien, 2 minutes sur ce coup d'éventail. Pourquoi ce geste très lourd de conséquences? On peut imaginer facilement que le DEI d'Alger n'a pas fait ça juste pour s'amuser. Mais en fait, c'est la goutte qui fait déborder le vase. D'après les historiens, cela fait suite à l'affaire de la dette du blé. Je vous le disais, le blé, c'est de l'or. Voici comment une simple histoire de paiement non effectuée a enflammé irrémédiablement les relations entre la France et la régence d'Alger. Alors, pour bien comprendre, on est en 1798, au début de la campagne d'Égypte menée par Napoléon Bonaparte. Et le problème, l'armée française a un besoin urgent de blé pour nourrir ses soldats qui crèvent la dalle au pied des pyramides. Mais comme tu peux l'imaginer, en pleine guerre, c'est compliqué de trouver du ravitaillement. C'est là que 2 négociants d'origine livournaise, installés à Alger, Bakri et Buchnard, ou Buchnard, entrent en scène. Ils proposent à la France de fournir le blé dont elle a tant besoin. Jusqu'ici, tout va bien. Mais pour financer cette énorme transaction, ils ont besoin de quelqu'un pour avancer les fonds. Et ce quelqu'un, c'est le DEI Hassan, le dirigeant de la régence d'Alger. Le DEI d'Alger, confiant dans cette affaire, avance donc l'argent nécessaire à l'opération, pensant que la France réglera la note une fois la campagne terminée. Pourquoi pas? Mais voilà où ça commence à se corser. Le montant exact de cette dette reste flou. On parle de plus de 14 millions de francs, une somme colossale pour l'époque. Et c'est là que le drame commence. La France d'abord sous le Directoire, puis sous Napoléon lui-même, traîne des pieds pour payer. Il repousse sans cesse le remboursement, invoquant l'état désastreux des finances françaises et les guerres en cours. Bref, le DEI Hassan voit les années passer sans recevoir un seul sou. Imagine un peu sa frustration. Pendant ce temps, la dette s'accumule. Et même lorsque la monarchie est restaurée sous Louis XVIII, la France ne rembourse que la moitié de la somme due. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'une partie de la dette
est embourbé dans des complications juridiques. Résultat, l'argent est bloqué et le DI d'AG, lui, attend toujours. Et là, la situation devient vraiment explosive. Le non-paiement de cette dette devient une source de tension majeure entre la France et la régence d'Alger. Le ressentiment monte et cette histoire de blé non payé devient une véritable affaire d'État. Le DI Hassan meurt, mais c'est son successeur, le DI Hussein, qui reprend le dossier en main et demande les explications à la France. Mais là encore, aucune réponse satisfaisante. On arrive alors à un moment décisif, le 30 avril 1827. Le DI Hussein, furieux de voir que la dette n'est toujours pas réglée, convoque le consul français Paul Deval, un affairiste qualifié de très irrespectueux, pour en discuter. Et là, lors de cette rencontre houleuse, le DI perd patience. Dans un geste de colère, il frappe le consul avec son éventail. Côté français, on dit qu'il l'a frappé. Côté algérien, c'était plutôt une soufflette. Quoi qu'il en soit, il le chasse de son palais. On connaît la suite désastreuse. Ce qui avait commencé par des échanges commerciaux au XVIe siècle et plus tard par des tensions avec les corsaires finit par une conquête militaire. L'histoire du bastion de France, de la piraterie, de l'espionnage, des négociations diplomatiques et des bombardements ont amené la France à une expansion coloniale. Alors, que retenir de tout ça? Que les relations entre la France et l'Algérie étaient bien plus complexes qu'on ne l'imagine, et pas seulement depuis 1830. Un « je t'aime moi non plus » mortifère qui allait bouleverser l'histoire des deux pays. Voilà une leçon d'histoire qui nous montre comment commerce, piraterie, diplomatie et guerre s'entremêlent dans la grande danse des puissances méditerranéennes. Si tu as trouvé cette plongée dans l'histoire aussi captivante que moi, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à laisser un commentaire, en toute bienveillance, et à partager cette vidéo sur tes réseaux. À très bientôt pour d'autres découvertes fascinantes. Bisous !